Anne Beaufort est une femme exceptionnelle. C'est une femme qui a sa rue au Luxembourg, qui a un timbre à son effigie, mais elle n'avait pas de biographie. Et il se trouve également que c'est ma cousine. Donc j'avais un accès particulier, privilégié, à un certain nombre d'informations à travers la famille. Par contre, elle est décédée quand j'étais enfant, pratiquement en 1956. Donc ça a été très difficile de retrouver, comme en plus c'était une femme d'une humilité exemplaire, de retrouver des informations dans tous les domaines la concernant, et en particulier sur sa vie affective. Donc j'ai imaginé, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la littérature qu'on fait ça, une interview posthume de mon héroïne. Et ça donnait la possibilité de couvrir les domaines que, où nous avions de l'information et de laisser peut-être un petit peu dans l'ombre les domaines où nous n'en avions pas. Pas beaucoup de domaines, mais quand même quelques-uns, en particulier sa vie personnelle. Mais ça donne également beaucoup plus de spiritualité, d'humour et je dirais de vivacité au dialogue. Je crois qu'il y a une prise de conscience à faire, qui est très importante, en particulier pour les Françaises et les Français, parce que nous sommes dans un pays où l'assistanat règne en maître. Il faut comprendre que notre succès personnel ne passe pas par les autres, ne passe pas par le gouvernement, ne passe pas par l'aide publique, mais que notre succès personnel, en fait, est entre nos mains propres. Et à partir de là, on va faire un pas après l'autre, on va progresser peut-être lentement au début. Mais on va très vite s'apercevoir qu'on peut créer sa carrière soi-même, on n'a besoin de personne, on a tous les éléments pour le faire, et si on cherche au fond de soi-même une idée, on la trouvera très vite. Je vois par exemple à Chantilly des personnes qui ont lu le livre et qui créent une entreprise aujourd'hui pour développer le tourisme de Chantilly. C'est ça la lecture du livre, c'est ça les recettes qu'on essaye à travers la vie d'Anne Beaufort de faire comprendre à nos lecteurs. Dans la partie politique de ma carrière, je constate en permanence que les Françaises et les Français en particulier, mais pas seulement, ont du mal à trouver leur voie, leur vocation, une profession. Bref, beaucoup sont au chômage et attendent qu'on les aide. Anne Beaufort a eu cette originalité que devant les nombreux obstacles, à commencer par la formation secondaire qui lui était interdite en tant que femme, eh bien, elle les a surmontés à titre d'effort personnel, à titre d'imagination, à force de courage, de persévérance et de volonté. Et je crois que c'est ça le message qu'aujourd'hui nous pouvons donner aux Françaises et aux Français qui se trouvent dans la même situation et qui attendent peut-être de l'extérieur qu'on les aide. Non, l'aide viendra de vous-même. Je crois que nous sommes aujourd'hui à un carrefour où on commence à comprendre, ce que les Américains d'ailleurs ont compris il y a longtemps, qu'on peut, en ayant confiance en soi, en ayant le courage de s'exprimer, de devenir soi-même, on peut effectivement créer son emploi, forcer les employeurs à considérer une candidature. Et ça, c'est ce que montre la vie d'Anne Beaufort. Elle montre qu'à chaque fois, elle a forcé le destin. Elle a forcé le destin pour ses études. Quitte à partir à l'étranger, ce qui à l'époque était très difficile. Elle a forcé le destin ensuite pour créer une école qui n'est pas devenue publique tout de suite pour jeunes filles. Elle a forcé les pouvoirs publics à accepter cette école et à en faire une école publique, un établissement donc ouvert à toutes les jeunes filles de Luxembourg. Et dans sa vie personnelle, elle a également forcé le destin à tout moment, y compris pour créer le premier musée de Victor Hugo au Luxembourg, donc à Vianden où Victor Hugo avait séjourné. C'est une question qu'on me pose souvent, parce que le mouvement féministe, en particulier en Europe, est assez peu connu. Je dirais non à cette question, d'abord parce que la personnalité d'Anne Beaufort n'était pas celle d'une féministe, c'était une femme qui se battait pour permettre à elle-même d'abord, puis ensuite à ses élèves, d'avoir une carrière féminine intéressante. Dans ce rôle-là, elle a effectivement eu une activité féministe. Mais ce n'était pas une activité volontairement féministe de sa part. Je crois que dans le livre, on parle de Myrish, Aileen Myrish, qui, elle, est beaucoup plus
majorette, si vous voulez, elle est beaucoup plus militante dans son action féministe, et s'il y en a une à cette époque-là qui peut prendre la tête d'un mouvement, c'est bien elle. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait avec les auteurs qu'elle a connus, les grands auteurs de toute l'Europe, en fait. La réponse, la question est forcément une question que je me suis posée et qui m'a porté à écrire cette biographie. Mais je crois qu'on peut y répondre par la modestie incroyable d'Anne Beaufort, modestie personnelle, modestie de son éducation. C'était quand même la fille d'un jardinier, sa maman ne travaillait pas, elle était l'aînée d'une dizaine d'enfants, et donc parler d'elle-même ne l'a jamais passionnée. Donc on avait très peu d'éléments. Il a fallu que ce soit ma cousine et que j'aie recours aux informations de ma famille pour pouvoir écrire ce livre. Et avant moi, mais personne n'avait osé dans la famille le faire. J'aimerais inciter les lecteurs à utiliser ce livre un petit peu comme le guide d'une vie, l'exemple nécessaire au départ pour suivre un chemin comparable à celui d'Anne Beaufort. Et j'aimerais qu'ils n'hésitent pas à m'écrire. Il y a mon adresse internet dans chacun des ouvrages. Et s'ils ont des questions, s'ils ont des problèmes, s'ils ont des difficultés, ou s'ils veulent tout simplement éclaircir un point particulier du livre, qu'ils n'hésitent pas à écrire. Je crois que l'important, c'est le dialogue. C'est d'avoir quelqu'un qui puisse, à partir d'un exemple concret, qui est celui d'Anne Beaufort, permettre de faire des émules, de faire des cas similaires de la vie de chacun des lecteurs. C'est ça mon vœu pour tous.